Que dire? Quel objet incarnerait le mieux Berlin? Moi, j'ai choisi la grue. Cette grue jaune, symbolique, parce que Berlin est une ville où, dès les années 90, les grues ont foisonné, mais plutôt sur les grands pôles, comme la Potsdamer Platz. C'est maintenant dans nos quartiers, dans les trous de bombes de nos quartiers, ces objets contondants sont souvent... occupent l'espace... le ciel de Berlin et au moins leur tête, le haut. Et donc, ça marque peut-être le changement d'une époque parce que ces grues-là, on les voit dans les quartiers et c'est incommodant pour le voisinage. Parfois, ça passe au-dessus de nos têtes et c'est peut-être la fin d'une reconstruction que ça symbolise. Et on a l'impression que c'est sans fin. Qu'une grue installe une grue, qui installe une grue, et on voit pas trop le bout. Donc ça décrit toute l'effervescence de Berlin, de la reconstruction, mais également d'une folie reconstructrice dont on voit peut-être pas la fin dans nos centres-villes, qui ont été auparavant des quartiers beaucoup plus tranquilles. Et...